Bonjour messieurs. Bonsoir, difficile à dire où au fond de ce trou. Oye, idiota, monte les escaliers. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Salut, ça va bien? C'est beau et humide aussi. Bienvenue au Panama. Hey, gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré Vargas, cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos atrás. De él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! Hey, hey, tranquilízate. Je dirais que tu as des admirateurs. Ouais, mon public adoré. Vas-y. Abre las rejas. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Ya sera bien assez tôt. Te lo advertí. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Vaya. Atrás. Este me encargo yo. Bien. Hey, où tu m'emmènes? Tu vas bien voir. Por favor. Para. Para. Non, non. Pas par là. Ok. Après toi. Non, ça n'a pas l'air louche du tout. Je sais pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. Va à gauche. Ouais, c'est bon. Par là. Par là? On y est. Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal, c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. LE pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi.
La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Je vais faire en sorte. T'as apporté ce que j'ai demandé? Ouais. Je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail. À côté des caisses. Super, merci. Les doigts dans le nez. Enfin, les affaires reprennent. Ça devrait faire l'affaire. Là, c'est cette cellule. Comment je vais arriver là-haut ?